Comment savoir que je suis bloquée? Une autre forme de blocage, c'est la stagnation. C'est-à-dire, ça fait 5 ans que tu as le même salaire, ça fait 10 ans que tu es arrivé dans un pays, tu es au même endroit. Tu n'as pas déménagé, tu n'as pas évolué, tu n'as pas acheté de maison, tu es toujours en location, tu as en fait... Et tu t'es donné des excuses. Parce qu'à chaque fois que tu as essayé un nouveau projet, tu as essayé peut-être de déménager, aller prendre un truc plus grand, tu as essayé de construire une maison, pap, blocage. Pap, après tu dis que non, ok, je ne veux même plus essayer. Parce que le blocage fait mal. Tu as perdu de l'argent. Donc si tu es immobilisé, si tu es immobilisé trop longtemps, tu es là. Tu flappes, tu ne bouges pas, tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es là. Pour certaines personnes, l'Europe aussi bloque parce que tu arrives peut-être au Europe, Canada, tout ça là. On arrive, tu arrives là-bas, on te fait croire que ton revenu, dès que tu finis telle formation, tu as un revenu de, tu es sur 3000 euros depuis 5 ans. Voilà le blocage aussi. Tes revenus doivent aller dans l'ordre croissant. Proverbe 4, verset 18, la lumière du juste va dans l'ordre croissant. Encore. Donc, et tant que tu ne crois pas ça, je dois te prêcher comme ça pour que tu croies même que c'est possible et que tu sortes de là où tu étais. Sinon, tu vas rester tout là-bas. Tu vas dire, ah non, ça va. Je suis censé prendre peut-être 8 ans pour construire ça. Je suis pas censé prendre 30 ans pour payer la maison si. Non. L'immobilisation. Même si la situation, cette situation, c'était idéale depuis hier, c'est là 5 ans. Mais tu as évolué, tu as grandi. Ton esprit s'élargit. Ton extérieur aussi s'élargit. Ok. Voilà. Prochaine vidéo, je vous parle encore de blocage.